Sûr, on est déçu, mais parfois c'est peut-être on a peut-être cherché le maximum aujourd'hui parce qu'ils ont eu je crois plus d'occasions que nous, mais c'est quand même on mène 1-0, c'est dommage qu'on peut pas faire mieux après, donc mais c'est comme ça parfois. On a bien défendu en bloc, on a joué simple, on s'est créé quelques occasions, puis on marque, puis un peu de relâchement parce qu'on se sentait vraiment bien et on a compliqué notre jeu. Puis on repart à 0 quand même avec l'avantage, mais à la mi-temps, mettre les bouchées doubles et nous on commence à reculer. Peut-être dû à la fatigue, mais on recule et on se prend le but. C'est dommage parce qu'on menait et on est à l'extérieur. Maintenant, on voit du mieux et ça ne peut que nous faire avancer. Il y a Valentin Esri qui demande en profondeur sur le côté droit. Et puis je l'ai appelé pour qu'il me la remette en retrait et j'ai mis une touche du pied droit, plat du pied. Ça fait plaisir, surtout j'ai eu une saison blanche l'année dernière et ça fait toujours plaisir de marquer un but quand on n'a pas joué depuis un an. Ben, ça fait plaisir. Ouais. On a beaucoup de joueurs et on a besoin de tout le monde. On a beaucoup de bons joueurs, donc c'est courageant. Donc comme tu dis, j'espère qu'on peut... On peut continuer comme ça, mais on doit faire un peu plus pour gagner des matchs. Et après, on est bien, mais il faut commencer de gagner des matchs aussi. Satisfait, oui et non. Bah, c'est vrai qu'on a ouvert le score assez rapidement, donc on avait quand même envie de conserver ce score et remporter notre premier match ici. Mais bon, c'est vrai que l'équipe troyenne a fait un très bon match, ils n'ont pas lâché, ils sont en confiance, ils sont... Je pense plus près que nous physiquement. Donc ils ont créé leur champ jusqu'au bout et ça a fini par payer. Vu la finie du match et vu la baisse de régime qu'on a mis en seconde période, c'était un peu logique qu'ils arrivent à nous reculer sur notre défense et à marquer. On a aussi un peu trop touché le ballon. On n'a pas assez joué simple, je pense. Et ce qui fait au final qu'on a perdu quelques ballons qui leur a fait avoir quelques occasions. Et finalement, on finit par prendre ce but logiquement. Si on gérait mieux les ballons, je pense qu'on pouvait ramener quelque chose à la maison. Maintenant, bon, voilà, on a ramené quand même un point. Mais bon, j'aurais préféré ramener les 3 points. Quoi. C'est un match important, c'est un match domicile aussi. Hein, là, on n'est pas, on faut faire tout pour gagner. J'espère qu'on va réussir de faire ça. Donc, on faut s'apprendre de choses qu'on a fait. On faut se meilleurer. Et après, on faut battre Reims à domicile. Un match dans 10 jours, donc on va bien le préparer. Et je pense qu'il y aura de belles surprises avec 10 jours de travail intense. Et on va revenir encore mettre les bouchées doubles. Et de toute façon, il y a une évolution de jour en jour. On peut la remarquer.